Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les points qui dominent l'actualité. Le coordonnateur du Parti politique Unir exprime de vives inquiétudes face à la persistance de la crise politique en Haïti. En effet, Clarence Renoir préconise le dialogue pour éviter au pays de plonger dans un chaos politique. Haïti se tient au 174e rang sur 180 pays pris en compte dans le classement de 2021 sur l'indice de perception de corruption réalisé par l'organisation non gouvernementale Transparency International. À travers ce nouveau rapport publié cette semaine, Haïti voit son score légèrement amélioré compte tenu de ses scores dans les classements précédents. Le pays obtient 20 sur 100. À l'occasion de la fête des philosophes, les lycées Pétion Toussaint et du Saint-Cinquantenaire ont organisé ce jeudi 27 janvier une conférence débat sous les patronats de CEDELA, initiateur du programme Jeunes organisez-vous et ATREPA. Victor Benoît, l'un des intervenants, les a prodigué de nombreux conseils sur la philosophie, société et citoyenneté. Sur le plan international, Joe Biden a confirmé qu'il nommerait pour la première fois de l'histoire une femme noire à la Cour suprême des États-Unis pour remplacer le juge démissionnaire Stephen Breyer. Le président démocrate qui a fait cette promesse pendant sa campagne a précisé avoir de certitude « La personne que je nommerai aura des qualifications, une personnalité, une expérience et une intégrité extraordinaires. » Et cette personne sera la première femme noire nommée à la Cour suprême. Revenant d'un voyage sur le continent africain, notamment au Nigeria, le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a été interpellé par les autorités de l'immigration américaine. Expulsé et son visa annulé, Moïse Jean-Charles estime que c'est une atteinte de la dignité du peuple haïtien et des peuples noirs. En conférence de presse ce mercredi 26 janvier 2022, l'ancien sénateur annonce la mobilisation d'un cabinet d'avocats en vue de traîner en justice l'administration américaine. L'ancien premier ministre intérimaire et chancelier Claude Joseph, pour une énième fois, accuse le premier ministre Ariel Henry de faire obstruction à la justice dans le cadre du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'ex-ministre des Affaires étrangères a évoqué, dans une note publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux, quatre raisons selon lesquelles l'actuel gouvernement ayant à sa tête Ariel Henry ne pourra pas rendre justice à Jovenel Moïse. Le premier ministre Ariel Henry a rencontré le mercredi 26 janvier 2022 une délégation de l'OEA en sa résidence officielle à Misso, une délégation reçue dans le cadre du soutien qu'accorde l'Organisation des États américains à la création d'infrastructures anticorruption dans le pays du renforcement institutionnel. Un juge d'un tribunal fédéral de Miami a auditionné pour une deuxième fois le mercredi 26 janvier 2022 l'homme d'affaires Rudolf Jarre, accusé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, sur demande de l'accusé, l'audition sera reprise dans 30 jours. Ici, pour faire ce bulletin d'information, micro-présentation Erland Dorville. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.